À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Face à l'apparition de la pandémie de la COVID-19 en 2020 au Sénégal, beaucoup de restrictions ont été imposées à Touba. Les organisateurs du Grand Magal de Touba avaient revu à la baisse le nombre d'accréditations accordées à la presse. La COVID a fait que nous avions diminué le nombre, car en temps normal, on était à 1000. Cependant, durant les deux années passées, on en avait autorisé 300. Chaque année, on va augmenter le nombre jusqu'à ce que l'on ait 1000 journalistes que nous avions l'habitude de recevoir à Touba durant le Magal. Pour cette année, nous attendons 500 journalistes, a annoncé le président de la Commission culturelle et communication du Grand Magal de Touba. Cheikh Abdul Ahad Mbake Gaynde Fadma était l'invité de Mamoudou Ibrakan dans l'émission Jury du dimanche 28 avril sur e-radio. Le nouveau député a par ailleurs fait remarquer que pour un meilleur fonctionnement de la commission communication, une innovation a été apportée. Nous avons fait appel à des spécialistes pour nous accompagner. C'est ce qui nous a permis d'avoir ces résultats importants.